beaucoup de relations avec le Rwanda. Quand on va au dialogue intercongolais en 2002 et que l'accord global et inclusif est signé, qu'est-ce qui se passe? Dans l'accord, il est prévu d'intégrer les armées. J'ai oublié un détail que quand le Rwanda crée le RCD, l'Ouganda, lui aussi, aide à créer un mouvement, les MLC. Donc, ça veut dire qu'à travers les MLC et les RCD, l'Ouganda et le Rwanda étaient présents au Congo. Étaient présents au Congo. Et maintenant, quand on fait l'intégration, tous ces gens-là rentrent dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais... Est-ce qu'ils étaient, professeur, est-ce qu'ils étaient constitués essentiellement des Congolais? Non, je dis bien, il y avait des Congolais, il y avait des étrangers, dont des Rwandais. Donc, quand on a fait les mixages, il y avait aussi d'autres nationalités qui sont entrées dans l'armée congolaise. Que oui, l'armée le sait, les militaires le savent, les officiers savent. D'ailleurs, les gens publient à tout moment la liste des officiers, des généraux et ainsi de suite, qui ne sont pas Congolais, qui sont dans l'armée. Mais quand les RCD entre, est intégré dans les forces armées de la République démocratique du Congo, un groupe refuse et dit que nous, on doit rester dans les Kivu pour protéger nos populations. Ça, nous sommes en 2003. Et en 2007, ce groupe, entre 2005 ou 2006, ce groupe-là qui n'est pas venu ici, à Kinshasa, prend un nom. C'est le CNDP. Et le CNDP est soutenu, Nkunda. Il est soutenu par le Rwanda. Ça, tout le monde sait. Même la communauté internationale le sait, même s'ils ne le disent pas. Mais ils le savent. Plus tard, on va obliger le Congo, le gouvernement congolais, à signer un accord avec le CNDP. Et quand on signe l'accord avec le CNDP rentre totalement dans l'armée. Et le CNDP est donc déployé d'Uvira jusque pratiquement Mahagi et Aru, toute la partie est. Et le président Joseph Kabila a accepté. Moi, je l'ai dénoncé en 2012 au Sénat. Pourquoi on ne les déploie pas ailleurs? C'est ça justement, c'est la question. Et j'ai dénoncé en 2012. Et vous comprendrez après. Les massacres de Beni, d'où viennent les massacres de Beni? Qui contrôle cette région où ont tué les gens? Ce sont les éléments du CNDP. Plus tard encore, un groupe se rebelle et il devient le M23. M23, ça veut dire quoi? Mouvement du 23. Or, le 23 mars, c'est la signature de l'accord entre le CNDP et le gouvernement. Et aujourd'hui, la guerre ici, c'est pour obliger, encore une fois, le Congo à ouvrir son armée pour intégrer. Finalement, nous allons avoir une armée qu'avec des étrangers. Ça ne se fait nulle part au monde. Ça ne se fait nulle part au monde. Quand on a des mercenaires, à un certain moment, on paye les mercenaires et les mercenaires rentrent dans leur pays. Vous vous rappellerez que la dernière fois quand nous faisions la mission avec vous, ça veut dire que c'était une erreur que d'avoir que le président Tshisekedi ait signé un accord avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, c'est un pays agresseur. Et en ce moment-là, je disais qu'il y avait risque que l'Ouganda et le Rwanda, qui étaient des frères, mais qui avaient aussi entre eux leur conflit de leadership, qu'il y ait affrontement entre eux. Même s'il n'y a pas eu affrontement. Mais à un certain moment, l'armée rwandaise est entrée au Congo pour ne pas subir, par exemple, des attaques des Ougandais. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un accord entre eux. Vous avez vu l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Oui. Ils ont signé. Et qui était le dindon de la farce? C'est notre pays, le dindon de la farce. Donc, pour attaquer Bunagana, les Rwandais sont passés par l'Ouganda. Donc l'Ouganda facilitait. L'accord qui a été signé, c'était justement en prévision de ça. C'est qu'ici, à Kinshasa, on n'a pas compris.
Parce que nous, on fête, on danse, on se balade, on boit et ainsi de suite. Mais professeur, avant la réunion.